Saxi, Saxo, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment on peut avoir moins mal aux lèvres au saxophone. Alors, c'est vrai que ça, c'est vraiment un gros souci pour les saxophonistes ou les clarinettistes, d'avoir moins mal aux lèvres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu sais, la plupart du temps, quand on a mal aux lèvres, c'est qu'on a trop forcé. C'est-à-dire que, par exemple, si toi, tu fais du footing, si tu dis, tiens, aujourd'hui, je vais faire du footing pendant 3 quarts d'heure, alors que ça fait à peu près 1 an que tu n'en as pas fait, tu vas beaucoup peiner. Ben, le saxophone, c'est pareil, tu vas beaucoup peiner. Ah. Donc là, vraiment, c'est une question d'habitude, de travail. Donc de travailler progressivement. Tu travailles 15 minutes, puis 30, puis 45, puis 1 heure, tu vois. Donc ça, c'est vraiment une question d'habitude. Alors, tu vas me dire, mais moi, je travaille 2 heures par jour, comme Jacques, qui m'avait laissé un commentaire sur ma chaîne YouTube, je vais y arriver. Et donc, là, quand on joue 2 heures par jour, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ça. Alors ça, c'est quoi? C'est du papier à cigarette. D'accord? Donc le papier à cigarette, tu prends du papier à cigarette. D'accord? Donc le mieux, d'accord? Le mieux, pardon, c'est que tu prennes 2 feuilles de papier à cigarette. Je vais y arriver. Hein. Donc tu prends 2 feuilles de papier à cigarette, comme ça, là, tu vois. Bon, tu vois pas d'ailleurs. Là, voilà. Tu prends 2 feuilles de papier à cigarette, tu les mets les unes sur les autres. Voilà. Hop, tu fermes. D'accord? Alors voilà, là tu comme ça. Ensuite tu replies ton papier à cigarette. Et là tu vas mettre ton papier à cigarette sur la mâchoire inférieure. Ah. Et après tu replies ton papier à l'intérieur. Ah. Ah. Ok. Et donc là. Là. Ton papier à cigarette est mis. Et donc là, ça va te protéger quand tu vas jouer longtemps du saxophone. Tu vois, moi, c'est ce que je fais d'ailleurs. Quand je joue longtemps du saxophone, je mets du papier à cigarette. D'accord? Bon, avec l'habitude, moi, si j'en joue 3 quarts d'heure, 1 heure, c'est pas la peine. Mais si je vais jouer, par exemple, 2 à 3 heures de saxophone, je mets du papier à cigarette. Parce que, évidemment, ça va me faire mal au bout d'un moment. Tu comprends? Alors, sinon, je te rappelle que tu peux accéder à ma formation gratuite juste en bas en cliquant sur le lien. Profites-en, c'est une formation gratuite de 33 minutes, alors profites-en bien. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, et n'oublie pas que la répétition est la mère du succès, et surtout en musique. Yes. Et n'oublie pas que si tu veux un coaching avec moi de saxophone, n'hésite pas, c'est dans la description juste en bas. Je te dis à très bientôt, salut.